ces mêmes ferveurs-là, ces mêmes énergies positives-là. De grand monde à petit moment, nous ressortis en étant en chair, toute Martiniquaise, tout Martiniquais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous ressortis une vent d'espoir qui a soufflé. Et vent à là, faut pas que c'est un petit vent passager. Parce que la belle, en ce moment, actuellement, oui, c'est vrai, vent s'en vrai louillé. Et toutes les pronostiqueurs, toutes les sondageurs, ont changé physio d'épaule. Ça, il a dit, il y a quelques temps, c'est parce qu'il a dit encore, on n'a jamais vu ça. Jobi Bernabé, ce grand artiste martiniquais nous a fait l'honneur d'une puissante prestation aujourd'hui. Et surtout, ça m'a retient, et ça qui pour matcher nous, ça qui pour nous force, nous ballons, au-delà des textes puissants, potents, qu'il a prononcé pour vous, pour nous, c'est que il dit moi, il y a vraiment ses premières fois qu'il a fait ça à dans le cadre politique. C'est bien parce qu'il a senti le différent. C'est bien parce qu'il a senti dans l'absolu de faire la politique. La politique d'avant. C'est pas la politique de maintenant. À une époque, il fallait insulter, mépriser, railler, ridiculiser. Il fallait tenter systématiquement de détruire l'autre pour exister. Et c'est vrai que nous avons eu des hommes et des femmes politiques, principalement des hommes qui se sont montrés des experts en la matière. Il fallait faire ça. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas des cachets, nous ne pas sentir. Mais aujourd'hui, dans la Martinique de 2021, dans la Martinique de ce premier quart de 21e siècle, est-ce que c'est ça le besoin? Parce que regarde, soit y'a des catchers, y'a des salines, soit Martiniquais qui a craché les Martiniquais, qui chimait, nous va ouvrir, qui exemple nous va montrer, notamment par la jeunesse, par les générations qui arrivent. En cédant au bal des égaux, et maintenant ils ont atteint le pays noir, la nuit égo, la nuit égo politique, la nuit moune, y compris les grands leaders politiques, des grands partis politiques, qui préféraient que si ce n'est pas le noyau qui figurait en haut de la fiche, même une solution, en proposition qui bombe à la Martinique, qui bombe à Pepla, je préfère être parfaite plutôt, parce que c'est eux qui peuvent tirer bénéfice de ça. Et en portant nos suffrages, notre soutien, notre confiance à cet état d'esprit, je ne vais pas parler des hommes, je préfère parler des états d'esprit. Parce que Jobi Bernabé, c'est pas quoi il dit nous t'aléa, c'est l'esprit corps qui est le corps. L'esprit t'a la pas bon. L'esprit t'a la pas fécond. L'esprit t'a la pas fertile. C'est pas bon.
grain, nous pas planter, et puis ta l'esprit là. Le moi je, le moi qui dirige, le moi qui bat. Considérez peuple qui gagne en dette vis-à-vis de ses loups. Et puis en dette éternelle, parce que le prophète Saul, il est mort, en collectivité mort, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc il s'est reproché aujourd'hui à culpabiliser au peuple à voter pour eux parce qu'il a dit bon, fait l'école il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est la logique du pourrissement qui est en train de s'emparer de notre pays. Et cette logique du pourrissement, condition qui Bernabé, c'est le fruit mûr tombé foutu. Beau, à terre. Tombé foutu de n'avoir pas été cueilli. J'ai envie de rajouter à temps. Parce que l'homme n'avait pas prévu, voulu, su, connu ou su. Ou tout bonnement parce que l'homme a trop attendu. Si tant est que c'est l'homme qui veut. Vous avez entendu. Et tout, depuis le début de cette campagne, vous avez vu la qualité de notre équipe. Vous avez vu la diversité de notre équipe. La complémentarité de notre équipe. Vous avez vu que les lumières des uns et des autres, non seulement sur la liste des 64, mais sur l'équipe au sens large, celle que vous représentez, celle qui est représentée de plus en plus massivement dans l'ensemble du pays Martinique. Dans cette équipe, les lumières s'ajoutent. J'ai envie de dire, les lumières se multiplient. Les lumières ont arrêté de s'entrechoquer. Les lumières des uns et des autres ont arrêté de s'affronter. Les lumières des uns et des autres ont arrêté de s'annihiler. Parce que notre pays, il a compté de tout temps des talents, des compétences, des gens extrêmement brillants. Pour un petit pays comme la Martinique, au cours du XXe siècle, on considère, et c'est des grands grecs qui parlent martiniquais qui l'ont considéré ça, que parmi les 50 personnalités les plus brillantes, les plus marquantes du XXe siècle à l'échelle du monde entier, il y en a au moins deux martiniquais. C'est exceptionnel. On me dit trois. Avec, Glissant, avec Fanon et avec Cissé. Que nous nie, on n'a plus de doute aujourd'hui sur notre intelligence personnelle, sur nos compétences personnelles. Les Martiniquais et les Martiniquaises sont capables de réussir partout à travers le monde et nous le démontrent. Mais là où le bas blesse encore, c'est sur l'intelligence collective. C'est sur la trajectoire collective. Parce qu'on peut des individualités brillantes, des excellents joueurs, des excellents solistes. Mais ce n'est pas l'ennui des excellents joueurs qu'on va faire une excellente équipe. Ce n'est pas les tout pour les faire solo en même temps qu'on va une belle musique harmonieuse. Au contraire, les tout pour nous faire solo en même temps, les tout pour nous les mettre en évidence. C'est bourra. C'est cacophonie, comme on dit ça. Et la Martinique, qui s'ennelle et s'est allée à cette logique du pourrissement, cette Martinique, elle est malheureusement aujourd'hui dans la cacophonie. Et le choix que nous avons à faire, ce n'est pas simplement de remplacer une équipe par une autre. Et puis nous avons mis 14 listes et puis qui laisse nous choisir. Ce n'est pas ça seulement. Choix t'as là, il est plus fondamental que ça. Il est plus fondant que ça. Choix t'as là, en fait, dès le premier tour, un vrai jeudi qui a venu. C'est choisir l'équipe Martinique, nous l'est.
racines du pourrissement? Ou est-ce que nous les lever, dresser dans la Martinique de la dignité, de la fierté, de la reconstruction? La Martinique du pourrissement, c'est forcément la Martinique des grands chefs qui a décidé de tout le bagage. C'est eux qui ont maîtrisé tout le dossier. Le mythe de l'homme omniscient. Et l'homme omniscient qui se considère comme omniscient, il dérive très rapidement, il se transforme en homme omnipotent. De l'autre côté du PPM, c'est le même mythe de l'homme providentiel, sans que rien ne se fait. Mais c'est Mouta là, c'est pas yo personnellement que nous avons critiqué. Nous avons critiqué manière fonctionner yo, nous avons critiqué l'esprit là. Et si on va critiquer l'esprit, il faut nous arriver dans l'autre état d'esprit, dans l'autre manière de fonctionner. Et nous va démontrer, à travers ton pantalon, là, depuis qu'il commence, il y a qu'à salir, il y a qu'à mépriser, il y a qu'à humilier, il y a qu'à mentir. Particulièrement, ça qui est plus triste, c'est que, je vais admettre que, ici, en fait, Marie-Jeanne, sans vous qu'ils aient formé dans la Martinique. Oui. Et je vais admettre aussi que c'est mon nom qui a l'entouré là, je dis. Je sais peut-être bien être conseillé. C'est mon nom qui a l'entouré là, je dis. Je sais que si on est un respect, ben, arrêtez de manipuler, arrêtez d'instrumentaliser, arrêtez pour ceux qui vont pisser les nerfs. C'est qu'à partager poste des aides. Arrêtez de maltraiter grand nombre comme ça. Cette logique du pourrissement, c'est la logique de destruction de l'appareil productif de tout pays. Et c'est ce que nous subissons depuis des décennies. La destruction de notre production. Production agricole. Production halieutique en mer. Nous venons les plus grands importateurs, les plus grands dépendants alimentairement du port et de l'aéroport. Parce que le modèle économique qu'on nous a imposé, que nous subissons, il démontre aujourd'hui ses limites. Il démontre qu'il est finalement un modèle mortifère. Parce que si nous parlons de pollution, si nous parlons de pesticides, si nous parlons de chlordécone, si nous parlons de l'eau qui poisonne, c'est bien parce qu'il y a un modèle de l'agriculture extensive, de l'agriculture pardon, intensive. Et ce modèle-là, il passe forcément par la destruction de l'environnement. Et dans l'environnement, il y a les hommes et les femmes. Donc la destruction de la santé humaine. Nous parler, poursuivre dans le Guatemala. Et c'est pour ça qu'on va dire, nous parlons d'une baguette magique, mais il faut aider la production agricole en Martinique, une production saine, une production nourricière. Il faut aider les marins pêcheurs, la pêche en Martinique, une pêche saine, une pêche nourricière. Et pour ça, je ne peux pas comprendre que, après des décennies, de monde qui a dit que yo soit indépendantiste, soit autonomiste. Après des décennies au pouvoir, la SAFER, qui a la mission de protéger les terres agricoles, a dans l'état de décrépitude d'Anna. Yo va parler. Yo va pas des belles postures, des grands discours, mais concrètement, dans les politiques publiques, qui ça, qui moyen, yo va bas, la SAFER, pour travailler, pour remplir mission.
de protéger les terres agricoles, d'éviter la déperdition et les déclassements abusifs des terres agricoles. Mais c'est l'humanité qui agriculture nous devons faire. Dans la Martinique, qui s'engage vers l'avenir avec la foi, avec la détermination. Les entreprises martiniquaises doivent avoir toute leur place. Et pour aider ces entreprises, pas en parole, mais en action, il faut commencer par réduire les délais de paiement en moyenne de 100 jours. 100 jours! Ça veut dire que ces entreprises-là qui ont servi la santé ne veulent pas. Pendant qu'ils n'ont même pas de trésorerie, pendant qu'ils n'ont même de difficultés, pendant qu'ils n'ont même pas ça, même des fois payer ça, payer eux. Il y a pas ça pour un jeune en alternance, il n'y a pas ça pour un jeune en formation. Or, c'est possible de faire autrement. Dans cette Martinique que nous envisageons, que nous ciblons, dans cette Martinique, les délais de paiement peuvent, écoutez bien mon mail, en 18 mois, passer de 100 à 45 jours. En 18 mois de mobilisation. Et en 42 mois, je peux passer à 30 jours. Dans le Martinique que nous envisageons, oui, nous avons dit qu'il faut que l'argent des Martiniquais serve prioritairement au développement de la Martinique, à la valorisation du potentiel des Martiniquaises et des Martiniquais, à tous les niveaux, économique, social, culturel, sportif. Dans la Martinique que nous envisageons, la dimension mémorielle, la dimension identitaire, elle doit trouver toute sa place. Il ne faut pas nous perdre, affronter ces questions-là. Et c'est pour ça, nous l'a dit, c'est nous qui avons proposé à nos programmes, à nos projets, la création d'une distinction, d'une haute distinction de la valeur martiniquaise. Parce que c'est vrai, si nous attendons sur la Légion de l'Union française, les gens qui ont joué bien en habit, joué bien en habit, j'ai mis là, les gens comme ça, c'est pas eux que la France est la première priorité. Si nous attendons désespérément sur les palmes académiques à la française, ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même puissance, c'est pas le même symbole. Pourquoi la Martinique s'est jusqu'ici montrée incapable de se montrer reconnaissante envers ses enfants, ses fils les plus méritants, ses filles les plus méritantes? Jamais, jamais ça n'a été fait officiellement. Eh bien, nous avons dit nous allons reparler avec ça là. Pour tout Martinique qui a passé, qui a eu, qui construit la Martinique. Pour toutes ces montagnes là qui fait la Martinique, c'est grâce à eux là. Parce qu'il y aurait ces sans yo. Il n'y a pas d'énergie. Pour que nous ne puissions pas parler aujourd'hui. Il n'y a pas jamais sous la pièce médaille, pièce insigne, pièce à rien. Il est grand temps de réparer ce monde. Et c'est nous qui devons porter vision à la collectivité de la Martinique. Dans la Martinique que nous visons, c'est une Martinique unie, fédérée, et que tout le monde qui travaille ensemble, à commencer par la 7e lui-même. Et tu que le personnel valorisé, respecté, enfin, arrêtez de mépriser mon arrêté sali, mon arrêté de cacher mon. Protéger le personnel, valoriser, pour que le personnel retrouve pleinement sa mission, la plus valorisante, plus belle métier qu'il n'y ait, c'est de travailler au service de son peuple. Et le personnel t'a là, il parlait pour aller à dans ce sens-là, pour montrer, pour démontrer, ça il vaut, ça est capable de faire dans l'intérêt du peuple martiniquais. Dans la Martinique que nous visons, l'exemple doit passer par la CTM. Et si conseiller exécutif et puis l'Assemblée ne peuvent pas parler ensemble, mais il n'y a rien à espérer. Et c'est pour ça que nous allons dire, nous allons proposer des espaces d'échange entre l'exécutif, l'Assemblée, le Conseil constitutionnel, les parlementaires et toutes les forces vives de la Martinique. C'est pour ça qu'on a dit, faut nous arrêter, considérer que l'autre là, tu veux compétence, tu
grand pouvoir, tu grand lumière, ça a fait l'ombrage pour nous. Et mais nous ensemble pour payer. La lumière des autres ne nous dérange pas, loin de là, au contraire. La lumière des autres éclaire davantage le chemin que nous devons tracer. Ce chemin-là, nous allons commencer à tracer ça depuis le premier jour. Premier tour. Ça qui commençait comme par le temps là, qu'a tiré la nuit. Mais c'est eux qui ont payé les frais aujourd'hui. Ils ont un dégringolade. C'est mon nom qui a passé dans l'homme méprisé, à sali, plie au bas de nous, plie au essai de tirer les nous, c'est plie au bas de nous force. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que de vous soi-disant expérimenter, après tout ça, l'année d'expérience, ou pas savent que la communauté année, ou pas savent. Que chez nous blindés, on va savoir que nous allons baisser tout en haut. En tapant sur nous, c'est force de nous. C'est parole de nous. C'est détermination de nous. C'est énergie de nous. Et ce faisant, nous allons commettre bizarrement des erreurs de jeunesse. Le vainqueur, nous a pour confiance, parce qu'elle nous a pour conscience, que c'est au nom des générations passées et au nom des générations futures que nous avons choix. Choix de là, c'est le bulletin rouge. Chose.
une Martinique moderne, mais ancrée dans ses valeurs traditionnelles, fondamentales. Et en état là, dans tous les bureaux de vote du Malibu, dans tous les bureaux de vote du Lorrain, dans tous les bureaux de vote de Sainte-Marie et de toutes les communes du nord de la Martinique, c'est à l'état là, certaines mains qu'elles comprennent que le peuple là, c'est lui qui savent. Que le peuple là, c'est lui qui vit. Que le peuple là, c'est lui qui a décidé. C'est pas nous qui a dit nous, ça nous a fait. C'est nous qui savons. Et nous savons que l'élection, ce n'est pas l'élection municipale, ce n'est pas l'élection maire, c'est l'élection pour l'avenir de la Martinique. C'est l'élection pour la Martinique, commencer à respirer, fonctionner autrement. Et l'aide de bouillement a commencé. Parce que, au lieu de dire, ensemble pour pays, ensemble pour pays, ensemble pour pays. Ça fait fatiguer tout le monde. Regardez mon ami. Hé, nous avons pris le bel âme pour aller très vite. C'est bouge. Donc quand il n'y a pas de réconciliation possible, tu obéis au diable, tu obéis au mal, à ceux qui considèrent que c'est la guerre entre les Martiniquais et les Martiniquais qui est l'avenir de la Martinique. L'homme fâché puis tout le monde qui mène on peut fédérer, l'homme fâché puis tout le monde qui mène on peut rassembler. Et c'est pour ça que qui y a le qui y a parlé. Nous gagnons pour battre. Nous vivons dans cette terre. Nous pas qu'à mépriser. Nous pas qu'à humilier. Nous gagnons travail quand et quand et puis. Et c'est pour ça, je dis, les deux de ma pipi, du MIM et du PPM, nous allons mettre là. Et nous gagnons rendre hommage là et nous mériter. Nous gagnons rendre hommage là en passant à autre chose. En poursuivant, en donnant l'exemple. Et c'est pour ça, que faut que le vin au soir, cette chouva nous a bien. Pour les sondages, les derniers qui annoncé clairement, de plus en plus clairement, ensemble.